Hello à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne Sarah et ses passions. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel unboxing en partenariat avec la boutique GBFKE, une boutique que j'adore, et vous commencez à le savoir ça aussi. Donc GBFKE, c'est une boutique qui propose du diamond painting, du point de croix, du bricolage artisanat, et en l'occurrence, aujourd'hui, je vais vous présenter 4 produits de bricolage artisanat. J'avais de nouveau une grosse envie de faire des petits objets. Donc, je vais vous montrer ça. Pour moi, les prix sont hyper, hyper raisonnables. Vous me direz ce que vous en pensez. Vous savez que j'aime toujours avoir votre avis. Donc, c'est parti pour 4 petits produits. J'ai fait mon choix le 1er juillet. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et j'ai été livrée le 16 juillet. Donc, pile 15 jours au niveau du délai de livraison. Ça, c'est top aussi. Donc, merci beaucoup GBFKE déjà pour votre gentillesse, pour votre confiance sans cesse renouvelée. Vraiment, je suis super contente. La personne avec qui je suis en contact est vraiment gentille. Donc, beaucoup, merci beaucoup à vous. Allez, c'est parti. On va sortir les 4 produits. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc, il n'y a pas beaucoup de suspense parce que il y a des choses déjà. Enfin, tout est emballé en transparence. Donc, on va commencer par ça. C'était celui qui était au-dessus. Et il s'agit de dessous de verre. Et c'est un lot que j'ai trouvé où il y avait 5 dessous de verre. Donc, vous verrez aussi des unboxings avec d'autres partenaires où j'en ai choisi un ou deux seulement. Je me suis fait un petit ensemble après avec mes préférés. Mais dans ce lot, il y en a 5. Hop. Alors, on va mettre les emballages de côté. Alors, déjà, je peux vous montrer qu'on a le petit toolkit de base, stylet colle barquette avec le petit sachet zip. Alors, juste un instant, ma fille m'appelle. Voilà, donc petit toolkit de base dans le sachet zip. Ça, c'est toujours pratique. Ensuite, on a les diamants qu'on va voir après. Mais je vais déjà vous montrer les modèles de dessous de verre. Donc, c'est des dessous de verre en bois. Hein, c'est pas comme ceux en céramique avec le liège en dessous. Là, c'est vraiment du bois. Et c'est un petit ensemble de dessous de verre avec des mandalas. Donc, vous savez que j'adore ça. Et franchement, je trouve ça trop sympa. Donc, voilà le premier. On va tout de suite regarder au niveau du collant. Mais c'est nickel. La colle, elle est uniquement... Alors, elle dépasse un petit peu. Mais... voilà, je pense que je vais quand même en coller, hein, même si c'est du bois. De toute façon, c'est super bien imprimé, le collant est nickel. Et je pense que ça va être des petits objets super, super sympas à faire. Ceux-là, je vais les faire rapidement, vous les verrez rapidement parce que j'ai envie de les utiliser sur ma terrasse. Donc voilà, c'est hyper solide, du coup, comme c'est du bois, je trouve ça vraiment sympa. Donc voilà le premier qui sera plutôt dans les tons de bleu, un peu de rouge, là, je pense. Hop, ensuite, on a celui-ci. Donc, qui est super sympa aussi. Ça va être vraiment beau. J'ai hâte de les voir terminer. Je ne les ai pas encore vus sur YouTube. Donc ça, c'était mon coup de cœur. Alors là, l'impression, vous voyez, elle est un peu... vous ne voyez pas flou. L'impression est vraiment comme ça. Hein. Le 8, on le voit en double. Le plus aussi, ça fait mal aux yeux. C'est horrible. Mais bon, c'est pas grave. Je devrais m'en sortir. Ouais, c'est vraiment l'impression. Hein. C'est pas sur le film. Donc, on verra. Mais bon, je devrais m'en sortir quand même. Ensuite, on a celui-là. Alors, on peut penser que c'est le même, mais non. Hein. C'est une petite déclinaison, mais dans les mêmes tons de couleur. Et pour finir, on a celui-là qui est très, très beau aussi. Et je crois que sur d'autres boutiques, j'ai pris celui-là et celui-là. Je crois. Je verrai quand ça arrive lesquels j'ai choisi. Mais voilà, un petit set de 5 dessous de verre, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et GBFKE, c'est la seule boutique où je les ai trouvés par 5. Les autres boutiques les vendent séparément. Ensuite, au niveau des diamants. Alors, que je trouve l'ouverture. Désolée pour le petit bruit. Alors, au niveau des diamants, on a déjà des petits yeux de chat rose comme ceci. Et donc, sur les sachets, on a une référence et on a un symbole. Donc, c'est le triangle. Voilà, c'est ce qui va, par exemple, aller sur celui-ci. Voilà, vous avez les triangles. Donc, gardez bien vos diamants avec parce que vous n'avez pas la référence, là, AA 1057. Vous ne l'avez nulle part ailleurs.
Donc on a quand même pas mal de diamants du coup. On a des yeux de chat fastés transparents. Des petites gouttes jaunes. Les mêmes en rouge. Des gros ronds bleu clair. Du strass jaune clair. Du strass turquoise. Un peu plus foncé. Des rouges, orange, transparent et jaune foncé. Et on a encore une petite grappe. Ce sont les diamants spéciaux ensuite. On a des gouttes AB rouge. Donc AB, pour ceux qui ne connaissent pas, je me répète, mais c'est Aurore Boréale. C'est la petite couche de nacre qui est en plus. Des yeux de chat fastés, ils sont un peu plus petits que les autres. Des petits yeux de chat bleus. Des grosses gouttes nacrées AB du coup, hein, orange. Des tout petits yeux de chat jaunes. Les mêmes en rouge. On n'en a pas beaucoup ceux-là. Des gouttes AB bleues. Et des petites gouttes transparentes. Donc voilà, quand même pas mal de diamants spéciaux. Je trouve ça pas mal du tout. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne et de les utiliser. Alors, je remets juste mes diamants dans le sachet. Hop. Alors, ce petit set de 5 dessous de verre sur le site de GBFKE, vous les trouverez au prix de 8,89€. Là, j'ai les prix en euros. Donc, c'est top. Voilà pour ça. Je suis trop contente. J'ai vraiment hâte. Ça, c'est les produits que j'adore faire. Ensuite, eh ben, on va continuer comme ça vient. J'ai pris un objet que je n'ai encore jamais fait et je me suis dit c'est l'occasion parce qu'on a quelques invitations cet été. Et ben, je me suis dit que ça peut être un cadeau sympa. J'ai pris un petit sac pour offrir une bouteille de vin. Alors, ils en font avec des fleurs, donc moi je l'ai prise avec des fleurs, mais ils en font aussi sur le thème de Noël. Donc si vous avez des cadeaux de Noël à faire, ça peut être sympa. Alors, on trouve... dans ce kit, un toolkit de base, stylet, colle, barquette. Hop, moi je les mets de côté. On a les diamants et on a le sac. Et regardez, donc c'est exactement pour une bouteille de vin. Ici, vous enfilez votre bouteille. Alors, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de soufflet, hein. C'est vraiment un fond comme ceci. La matière, c'est comme un petit peu de la toile de jute. Voilà, comment c'est. C'est vraiment sympa. C'est vraiment très très sympa. Et là, vous avez la petite cordelette qui permet de froncer votre petit sac. Mais je trouve ça super sympa, vraiment pour un cadeau. Ça fait son effet. Au niveau du collant, il n'y a rien à dire. Et au niveau de l'impression, regardez, c'est nickel. J'espère juste que les diamants seront assez gros pour couvrir les cercles. On va voir ça après. Mais c'est vraiment nickel. Donc là, ouais, c'est comme un vase avec un bouquet de fleurs comme ça qui part. J'ai adoré ce modèle. Voilà, je me dis, pour une jolie bouteille cet été, quand on est invité, c'est toujours sympa. On met sa petite pâte avec. Au niveau des diamants. Donc on va être sur du strass avec quelques diamants spéciaux. Hop, on a 9, 10, 11 couleurs différentes. Donc on a des strass dans un bleu très très foncé. On a carrément du mal à distinguer. C'est la première fois que j'ai ces couleurs. Ensuite on a du strass vert pomme, là il est trop beau. Du strass orange. Du rose, du orange clair, du ouais, jaune, ouais plutôt, enfin, oui jaune, c'est un jaune, un vert d'eau, on a des AB rouges, donc magnifique, il va y avoir un mélange de AB, de spéciaux et de strass. On a un seul allongé, alors celui-ci, c'est celui qui va aller là. Donc là, ils ont intérêt à ne pas souper parce qu'on n'en a qu'un seul. C'est très rare qu'on ait qu'un seul et qu'on n'ait pas au moins deux. Ensuite, on a des gouttes fastées jaunes. Donc ça, c'est le B.
C'est tout ce qui va former les petites fleurs. Et on a des mini gouttes bleu foncé. Et celle-ci, c'est le C. Et le C, où est-il? Eh ben, je ne trouve pas de C. Ah si, là, voilà. On aura juste cette petite partie en C et c'est tout. Donc là, vous voyez qu'on est quand même bien fourni pour 3, 6, 7 diamants à poser. On a tout ça. Hein. Voilà. Donc des petits diamants encore sympas. Un petit objet super à faire. Je pense que tous les articles que je vais vous présenter aujourd'hui, je vais les regrouper dans un seul et même vlog. Comme ça, vous aurez le résultat. Donc ce petit sac à bouteilles est au prix de 2,49€ sur le site de GBFKE. Donc en plus, c'est un produit super, avec un prix super attractif, hein, vraiment. Voilà, pour celui-ci. Hop. J'ai pas assez de place, hein, j'ai jamais assez de place. Ensuite, on va partir sur un produit que vous connaissez. Et c'est un petit carnet, mais je les ai pris un peu différents de d'habitude. J'ai pris un carnet très partiel, mais voilà, j'ai craqué sur cet arrosoir avec le petit bouquet, le petit papillon. Franchement, j'ai adoré. Donc comme d'habitude, les carnets, ils arrivent dans les petites trousses en plastique zippées que je garde. Je suis en train de trier mes fils de broderie que j'ai en stock et du coup, je me garde ça pour mes fils de broderie. Donc les carnets sont livrés avec un petit toolkit de base style école barquette. On a les diamants. Hop. Et au niveau du carnet, eh ben, écoutez, je vous montre tout de suite l'impression, mais c'est nickel, voilà. C'est un carnet qui se fait aller en une petite heure, c'est très sympa, le collant c'est nickel, ça fait été, hein, franchement, voilà, les couleurs, l'arrosoir, les fleurs, ça fait très été, et voilà. Donc celui-ci, vous ne le verrez pas dans le... Ou à moins que dans ce vlog, je regroupe aussi d'autres carnets. Je verrai parce que je vous avais dit que je ferai dans un vlog, je vous montrerai le résultat de plusieurs carnets. Mais rien ne m'empêche de faire les 4 objets que je vous représente aujourd'hui et ensuite vous montrer tous les carnets. Donc c'est un carnet format A5 de 50 pages. Elles sont non lignées, hein, ce sont des pages blanches. C'est du simili-cuir pour ceux qui ne connaissent pas. Et quand vous diamantez, il y a un effet mou qui est super agréable. Moi, j'adore faire ça. J'arrête pas de me prendre des carnets tout le temps. Mais c'est des petites choses qui servent toujours, qu'on peut offrir en cadeau, qu'on peut garder pour soi. Et ouais, je me lasse pas de faire cet objet. C'est vraiment quelque chose que je peux faire, faire, faire et refaire. Au niveau des diamants. Les diamants spéciaux qu'ils ont choisis ont l'air d'être très beaux. Donc, on a 2, 4, 6, 8, 10 couleurs. On a un beau AB bleu. Donc ça, je pense que c'est ce qui va aller dans le... Ah non, c'est le numéro 1. Donc ça, le AB, ça va être tout le contour de l'arrosoir. Ils font souvent ça, les contours en AB. Je trouve que le rendu est très très beau. Ensuite, on a des strass orange, des AB rose. Des strass vert foncé, des strass bleu foncé, il est magnifique ce bleu. On a des yeux de chat fasté, on a les yeux de chat fasté violet. On a des grosses demi-sphères comme ceci, bleu clair. Les demi-sphères fastées avec les reflets orangés. Et les allongés que j'adore, hein, franchement. Ces diamants, ils sont tout nouveaux, j'arrête pas d'en avoir, ils en mettent partout en ce moment, mais je les adore. Donc voilà pour les diamants, encore un objet super sympa à faire avec des diamants qui me tentent beaucoup. Donc ouais, ça je pense que ce sera réalisé cette semaine, c'est sûr. Donc vous verrez cet unboxing, on sera mardi. Ouais, je vais vous le mettre mardi, mais c'est magnifique. Hein. Ouais, vous le verrez très rapidement. Et ce carnet, donc format A5, simili-cuir, 50 pages non lignées, est au prix de 7,89€ sur le site de GBFKE. Et il y a plein de modèles, donc si vous aimez ça, vous pouvez vous faire plaisir.
Dernier petit produit que je vais vous présenter. Alors, si je vous le montre de ce côté, vous allez peut-être deviner. C'est un produit que j'avais déjà repéré sur les boutiques, mais je l'ai connu de plus près par ma petite Sophie, qui m'en a offert un. Elle m'a envoyé ça par courrier parmi le petit colis que j'avais ouvert avec vous en direct. Donc, peut-être que vous vous souvenez. J'ai commencé à l'utiliser, voilà, quand j'ai besoin de me faire des petites notes. En fait, il s'agit de bloc-notes Hibou. Et je me suis dit que du coup j'allais me lancer dans la création de ces petits carnets. Et le fait qu'elle m'en envoie un, ça m'a donné super envie. Alors, je vais vous expliquer parce que vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Hop, alors, le kit. Hop, hop, hop. Voilà tout ce qu'on a dedans. Donc déjà, comme d'habitude, petit toolkit de base dans le sachet zip. Hop, il est troué celui-ci. Donc stylet colle barquette. La colle, je ne vais pas la garder parce que vous avez vu comme elle est claire. Celle-ci, elle n'est pas de bonne qualité, je peux déjà vous le dire. Donc celle-ci, elle va passer à la poubelle. Ensuite, on a les diamants. On va tout de suite les regarder. On fait dans le désordre. Donc là, on a des gros ronds strass jaunes. Des strass roses. Des strass bleu clair, des ronds jaunes, on a des petits intrus dedans mais c'est pas grave, des strass bleus encore plus clairs, des strass jaunes, des strass rouges et des strass roses. Voilà pour les diamants sur ces petits hiboux. Ensuite, on a 6 carnets. Hop, comme ceci. Donc ils sont chacun emballés dans leur petit paquet. Je vais vous en ouvrir un pour vous montrer comment c'est fait, mais au moins là vous voyez tous les modèles. Je les trouve vraiment trop choupinous. Hein. Puis moi j'adore les hiboux, les chouettes, donc voilà. Voilà comment ça se présente. Donc là on a des parties rugueuses hein, où il y a de la paillette. Et à l'intérieur c'est comme ceci. Bon, les pages un petit peu en haut, elles ont un peu souffert avec l'emballage, les premières, mais après ça va, hein, vous voyez. Donc c'est blanc, vous pouvez prendre vos petites notes, vous pouvez arracher vos feuilles. C'est un papier qui est assez fin, mais je trouve ça très sympa. Et ensuite vous avez... bah, deux parties d'autocollants, donc un autocollant par hibou. Je vous montre au niveau de l'impression, c'est cette partie qui va être à diamanter en fait. Et si je prends celui avec les cœurs, voilà. En fait, une fois que vous aurez diamanté tout votre petit hibou, il est à décoller. Enfin, vous le coupez, vous le décollez. À l'arrière, c'est du collant. Hein. Et vous voyez les cœurs, je ne sais pas si vous allez bien voir. Les cœurs, là, ils sont détachables. En fait, on va les enlever et on va coller la partie diamantée sur le carnet hibou. Donc, il y aura la partie diamantée autour, mais ressortira entre tout ce qui est en paillettes. Voilà, je ne sais pas si je suis claire, mais en tout cas, on en réalisera un ensemble. Alors, je crois que celui de Sophie, je l'ai là. Je lui ai arraché une petite page, mais c'est pas grave, vous le verrez pas. L'essentiel, c'est que je vous montre ce que ça donne. Voilà, enfin, en plus, c'est celui-là. Donc, voilà ce que ça donnera. Hein. Ça, ça ressort en transparence. Et ça, du coup, c'est votre partie ici, diamantée. Voilà, qu'on viendra simplement à poser après avoir enlevé les petites parties qui ne sont pas à diamanter. Voilà, là, vous avez eu le résultat en direct. Mais on le fera ensemble dans le vlog, hein, on le réalisera ensemble. Je le collerai avec vous, il n'y a aucun souci pour vous montrer comment on procède. Donc voilà ces petits hiboux bien sympas. Je suis super contente de les avoir pris, franchement je ne regrette pas. Ça va me permettre de tester tout ça. Et ces petits bloc-notes hiboux, donc au nombre de 6, vous les trouvez sur le site de GBFKE au prix de 7,99€. Voilà. Bah écoutez, on arrive au bout de cet unboxing. Je vais vous remettre ma petite sélection. Donc on a les carnets hibou avec leurs diamants. J'essaye de tout vous recadrer. On a le carnet arrosoir. On a le sachet cadeau pour les bouteilles de vin. Et on a, hop, l'ensemble des dessous de verre. Regardez comme je fais ça joli. Hop là, voilà,
Là, vous avez toute ma sélection. Eh bien, écoutez, quand je la regarde comme ça, moi, je suis ravie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai hâte de lire vos avis, comme d'habitude, en commentaire. Mais moi, je suis très, très impatiente de les faire. Je pense que je vais commencer cet après-midi. Franchement, j'ai trop, trop hâte. Voilà. Bah, écoutez, moi, je remercie encore une fois la boutique GBFKE pour leur confiance, pour leur générosité. Vraiment, ce sont de super produits, de super bonne qualité. J'ai vraiment plaisir à travailler avec eux. Je vous remercie, vous aussi, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remets bien sûr en barre d'infos le lien vers la boutique GBFKE, le lien vers ces 4 articles que j'ai choisis. Et chez eux, j'ai un petit code promo, il me semble. Donc, je vous l'affiche ici si c'est le cas et je vous le remets également en barre d'infos. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces comme d'habitude. Donnez-moi vraiment vos avis en commentaire. Si vous avez des petites questions aussi, n'hésitez pas à les poser. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas pour suivre la réalisation de tout ça. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Moi, je vous fais de gros gros bisous. Prenez surtout soin de vous, c'est très important par les temps qui courent. Je vous fais des bisous, à bientôt. Bye bye.